Salut à tous. Donc vous ne voyez pas l'écran, c'est normal. Mais au moins vous entendez le son. Normalement. Cette musique est en train de me rendre fou. Alors, il va falloir être technique. Parce que là, du coup, j'ai d'autres branchements qui viennent se rajouter. Alors, est-ce que j'ai du scotch par là ? Alors déjà, on va commencer par le début. Ok. Il faut que je scotche ça, sinon ça va être l'enfer. Alors, on va essayer de scotcher ça au maximum pour que ça ne bouge plus, mais ça va être compliqué. Ok. Ensuite. Aou! Ça fait mal aux oreilles, ça. Ça fait que je le scotche là. Alors, je vais attraper mon rouleau de duct tape, j'arrive. Pouet. Oui, je sais, ça fait du bruit. Désolé. Voilà, normalement on devrait être bon. Normalement ça devrait être pas mal. Alors il me faudrait un stylo. Ou un stylet. Hop. Ah, on va baisser un peu le son quand même. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Normalement, on est bon. Il y a un petit. J'ai l'impression qu'il y a un souffle, je sais pas pour vous. Ok, alors. Donc on était sur cette putain de route 7. Pouet. Alors est-ce qu'on pourrait refaire l'appoint? Ok. Donc on était en train de chasser Erisandre. Hi Cafoué Boyo. Ouais. Salut Pierre, et à toi. Est-ce que tu entends la musique du jeu? Parce que normalement, j'ai réussi à mettre la musique du jeu. Si j'ai pas trop été un manche. Cette musique est vraiment dingue, je vous le dis d'avance. Hein. Ça va vraiment, ça va être un truc qui va me faire péter un plomb. On va la baisser un peu quand même. Parce que... Ah merde. Parce que sinon ça va être compliqué.
Faiblement. Après, le but du jeu, c'est pas non plus de vous péter les oreilles avec la musique. C'est juste qu'il y ait, que je puisse faire sans musique annexe, en fait. Ah oui, attends, c'est, je sais pourquoi. Ça doit aller mieux déjà. Alors, donc ce matin. Du Masuda d'Erisandre. Sachant qu'on en est déjà à 100 œufs. Est-ce que le son est meilleur? Dis-moi tout, Pierre. On va lancer le local recording pour voir. Non, quand même pas. Je vais laisser. Je vais laisser. Twitch s'en occuper. Alors, puis si la qualité est pas assez bonne, je ferai un local recording à 720p, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hello, Bouillon. Screen is black only on Android device. Android app is bullshit. You have to watch it on a computer. Alors, donc Masuda d'Erisandre, parce que Zigomio le cherche depuis très longtemps et que j'aimerais beaucoup lui faire péter un plomb. Donc du coup, je pense sincèrement que l'avoir en stream pourrait le faire craquer. Donc, nouveauté, ouais, le son du jeu. Puisque cette nuit, dans mes... comment on dit dans mes songes, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, on pourrait éventuellement mettre le son du jeu. Ça pourrait fonctionner sur YouTube. Attends, je me connecte à Internet. Je suis en train de perdre la voix. Commence bien, la journée commence bien. Je commence à perdre ma voix parce que je sais pas quel temps il fait chez toi, Pierre, mais ici il fait froid, il y a du vent, tout ça, tout ça. Un gobou, tu es à 100 œufs. Eh bien, écoute, je suis également à 100. Alors, si tu veux, je t'encourage à comment dit-on? Hop, je vais me remettre là. Je t'encourage à ce que nous chassions ensemble, comme ça au moins on verra qui il a en premier. Sachant que là, je vais faire quelques œufs ce matin. Il est 10h22, on a le temps. On a un peu de temps, sachant que je couperai aux alentours de midi pour manger. Voilà. Il pleut depuis je sais pas combien de temps. D'accord. Écoute. Ici, je ne sais pas s'il pleut, parce que je n'ai pas... Enfin, je vis toujours les volets fermés. Donc, du coup, je ne sais pas te dire s'il pleut ou pas. Peut-être que je sortirai cet après-midi, on verra. Premier œuf. Donc, le 101e œuf. 101e œuf. C'est dur à dire, hein. 101e œuf. On va voir. S'il est shiny, je me la coupe. Hein. Parce que je me suis dit, il faut que ça tienne 2 heures. Alors, ce serait bien qu'il arrive vers les 11h40. Pas avant. Donc, il n'est pas un shiny. Il est bleu au lieu de marron. Ce qui ne nous intéresse pas. Bah là, je suis sur PS4. Du coup, j'ai arrêté. Tu as arrêté quoi? Ah oui, les, la PS4. Eh bien, écoute, j'ai acheté Witcher 3. Qui était en super promo, donc je l'ai acheté, j'ai mis très longtemps à le télécharger, j'ai mis une journée quasiment. Sinon je suis sur Assassin's Creed en général, si tu me cherches. Je vis dans une grotte, oui à peu près, ouais. Non, je vis dans un appartement, mais pour streamer, pour éviter qu'il y ait trop de reflets sur la console, je suis obligé de fermer les volets derrière moi, donc en gros ça ferme le...
ça ferme la visibilité de mon appart. Sachant que dans ma chambre, la fenêtre est calfeutrée parce que je peux pas dormir s'il y a la lumière. Donc voilà, je vis pas dans une grotte, mais j'aime bien vivre dans le noir. Ça ne me dérange pas. Sachant que je suis myctalope, qui est un défaut oculaire. C'est-à-dire que je vois dans l'obscurité. Pas total, mais dans l'obscurité. Je vois assez bien. Mes yeux s'habituent vite à l'obscurité, en fait. Salut Caléo. Enfin bon, si vous entendez le son du jeu, c'est déjà pas mal. Parce que donc du coup, avant, je pouvais le mettre avec un micro dit d'ambiance, mais vous entendiez absolument tout ce que je faisais en dehors. Et que là, maintenant que j'avais un micro de meilleure qualité, je pouvais plus capter le son du jeu. Donc là, normalement, le son est... Vous savez, le vrai son du jeu, quoi. Y a pas de... Pardon, vous avez pas de parasites, théoriquement. Moi, c'est GTA, mais Witcher, j'ai bien regardé quelqu'un. Bah écoute, je sais pas, je te dirais. GTA, on me l'a prêté. Si j'arrive à le zoulouter, je verrai, mais je vais essayer de faire un deal avec, avec Captain Johnson. Voir si, si mon Woolly World contre GTA V, ça l'intéresse. Pouet. Combien il nous reste? 9 avec l'or. Tu réponds 7 secondes après que je poste. Ben oui, mais c'est le délai, hein, je suis désolé. C'est le délai Twitch. Malheureusement, si vous voulez pas de délai, faut aller sur Xbox. C'est comme vous voulez. Je suis pas forcément sûr que... Que vous soyez très gagnant. Très bien. Donc 105. Ah bon, écoute. Tu as des chenilles en double, j'en ai eu beaucoup. Mais je les ai ou trade ou distribué. Ou... J'en ai eu beaucoup. Hein. Par exemple, le Monorpol en Masuda, je l'ai eu deux fois. Deux fois dans la même portée. Alors, n'hésitez pas à partager le lien du stream en tout cas. Je sais pas si vous entendez, confirmez-moi que vous entendez vraiment le son du jeu, que c'est pas trop fort ni trop faible. Pour moi le son est pile ce qu'il faut, mais après faut voir par rapport à vous. Pouet. Moi je mets shiny avec un Y, parce que c'est censé être brillant, donc c'est avec un Y. En français ils l'ont traduit par chromatique, mais c'est pas vraiment une traduction heureuse. Après c'est leur jeu, donc nous n'avons rien à dire là-dessus. Parce que là pour le coup c'est pas une équipe de trad annexe, hein, c'est vraiment la Pokémon Company qui traduit tous ces jeux, donc... S'ils ont décidé qu'en français serait chromatique, ce sera chromatique. Un Dracolos Shiny, un Magikarp, je sais pas quoi en faire, bien. Mais il est sur la GTS. Pouet. Mince. Alors. Non, shiny c'est en anglais. Normalement c'est chromatique en français. Voilà. Y a pas trop de débat là-dessus. Hein. Après que les gens l'écrivent mal, c'est un autre débat. Mais normalement c'est shiny avec un Y en anglais. Et chromatique en français. Parce que
c'est Shiny, c'est SHY NY, qui veut dire briller, qui brille en anglais, et chromatique en français. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas 36 manières de l'écrire. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, du coup, je devais travailler aujourd'hui, mais à cause de la COP21, ceux qui habitent à Paris sauront ce que c'est. Je ne peux pas travailler, parce que je ne peux pas prendre ma voiture, et les transports sont assez compliqués. Donc, du coup, je reste chez moi. Et donc, demain, je ne travaille pas, mardi non plus. Donc, je reprendrai mercredi après-midi. Donc, normalement, vous aurez des streams aujourd'hui, demain et après-demain. Si Dieu le veut. Donc voilà. Voilà. Je vais peut-être changer de musique pour le Shiny. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Peut-être, peut-être pas. Nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Bon. Je suis connecté à internet, si jamais vous voulez m'envoyer des aura éclosion, ce serait très gentil. Voilà. Pour que nous puissions avoir le 134e Shiny, qui sera Erisandre, torche de préférence, qu'on appellera Zigomio, de toute façon. Nous chercherons le petit Zigomio. Que nous aurons en stream, évidemment, parce que, voilà, c'est uniquement pour l'emmerder. Pardon. Cette musique, elle va me rendre dingue. Franchement, dans une demi-heure, je sens que je vais étrangler des bébés oiseaux. Ou des bébés chiens. Tu sais, quand ils te regardent comme ça avec leurs yeux à la SPA, tu sais, genre, adopte-moi. C'est la craque, tu l'étrangles comme ça. Tu diras, tiens, ça c'est à cause de la musique de la route 7, saloperie. Oui, que se passe-t-il? Mais les gens comprennent. Abonnez-vous, je rends, hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que tu es en train de craquer, Caldeo. Je suis en train de perdre la voix. Je pense que dans peu de temps, je vais me faire une boisson chaude. Salut Totof, salut à toi. Il est pas shiny. Ah ben, je ne sais pas. Moi, je me suis pas fixé de limite, en fait, pour les hérissandres, parce que j'ai envie de me nourrir du guac de Zigomio, en fait. Voilà. J'ai tellement envie de lui dire, au fait, je l'ai eu. Et puis passer, tu sais, à autre chose, mais de manière complètement détachée, uniquement pour l'emmerder. Lui dire, ben voilà. Ah, sinon, je vais l'appeler Zlatan avec le nez qui se cogne. Un nez énorme, comme ça, là. Est-ce qu'une âme charitable veut bien aller me faire un thé et me le ramener? Deux sucres, s'il vous plaît. Ça dépend lequel. Si c'est au caramel, un seul sucre et demi. Voilà. Je vous remercie. Parce que je ne bois pas de lait. Je n'en bois pas. Je bois du café, je bois du thé, mais je bois pas de lait. Donc chocolat au lait, tout ça, je ne peux pas. Bon, 110. C'est dommage qu'on puisse pas tous les virer en fait directement, qu'on soit obligé de passer par cette magnifique ordinateur.
pas au chocolat, aux chocolatines, chocolatines. Et là. Et le choix des vrais. Hop là. Alors. Je baisse un peu parce que sinon je voyais pas mon écran et puis le micro était un peu trop loin. Poète, 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 poète. Bon, est-ce qu'on va essayer d'uploader ça sur YouTube? Je ne sais pas. Tout le monde me demande une chaîne YouTube, donc vous commencez à me casser les couilles. Hein, violemment. Donc du coup, peut-être. Si vous êtes vraiment très sage. On verra. 15, pourquoi? Ah, son âge, oui, pardon. Pour moi... C'est du lait avec du chocolat, donc lait au chocolat. Ah, quelle horreur, quoi. Putain. Comment vous arrivez à boire ça? Je comprends vraiment pas. C'est un truc qui me fascine. Je ne vous comprends pas. Et le pire, c'est qu'au boulot, quand on me demande un chocolat chaud, tu vois, parce que enfin, comment dire, je tiens un genre de bar, en fait, en gros. Pour être à peu près clair. Et donc, du coup, quand on me demande un chocolat au lait, c'est quelque chose qui m'écœure complètement. Alors l'orthographe, je me pencherais pas trop dessus si j'étais toi, Caldeo, tu vois. Parce que si vous voulez vraiment que je fasse mon asie de l'orthographe, je peux m'y mettre, mais vous allez pas du tout apprécier la blague, quoi. Donc, je n'attaquerai pas sur ce sujet-là si j'étais toi. Café Club, et le fameux triptyque Café Club Caca. Alors ça, les 3 C. Café Club Caca, c'est le meilleur. Mais là j'ai plus de club, faut que j'aille en acheter tout à l'heure. Moi, je veux bien me transformer en modo nazi vis-à-vis de l'orthographe, mais vous allez pas aimer. Hein. Donc, je préfère laisser les gens qui font un petit peu de fautes. Bon, on a nos 5 E. Nos 5 œufs. Maintenant, on va pouvoir... Eh oui, Café Club Caca, c'est le choix des vrais. Les 3C du matin. Puis j'ai acheté du super café là. J'ai acheté un café, tu sais, genre un peu cher, tu vois. Franchement, il est bon. Tiens, attends, on va mettre un truc. Hop, on va mettre une autre image. Hop. Je vais vous pourrir. Hein. Je vais vous pourrir le layout en fait. Ah, ma bite. Alors j'ai été où? Voilà. Tu croyais qu'il allait dire acheter du super caca? Non, du super café. Donc voilà, bon, bref, on continue notre petite chasse, nous sommes à 110 œufs. Et le but du jeu, c'est d'avoir un Hérissandre shiny pour faire chier Zygomio. Donc Hérissandre, c'est le 152, 3, 4, 5, normalement de 200... Merde, attends. 151, c'est Mewtwo. 2, 3, 4, 5, ouais. 155e, je crois, vous me confirmerez ça. Ce qu'il devait y avoir... Donc, normalement, c'est je croyais avec Ness en fait. Mais bon, donc voilà. On confirmerait que c'est le 155, j'en ai aucune idée. Est-ce que ça va être le bon? Ça m'étonnerait. Eh bien, non, il est bleu. I'm blue, c'est terrible.
Le 111e n'est pas shiny. C'est difficile. Que c'est difficile que moi parler All France. Boulogne, qu'il n'y a pas le pétrole. Qu'il y a l'équipe de football. C'est terrible. Ayons pitié de nos amis. Qui malheureusement ne peuvent pas tout faire. Les terrils, tout ça. Les courons. Formidable. Je suis déjà allé dans le nord. C'est pas forcément la meilleure expérience de ma vie. Il paraît que les gens du nord sont très sympas. Mais je dois admettre que la dernière fois que j'y suis allé, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. C'était il y a très longtemps. Ouais. Je n'ai pas forcément la meilleure expérience de ma vie, en fait. Sachant que ma mère était du nord. Hein. Elle était née à Boulogne-sur-Mer. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Ma pauvre mère. Tu es de Normandie. Oui, je vois, avec 76. Hein. Avec 76, je me doute que tu es de Normandie. Parce que j'y ai passé un an. J'ai passé un an à côté de Rouen. Je suis ch'ti, je suis sympa. Oh, je suis sympa. Je suis ch'ti, je suis sympa. Elle ferait que d'elle. Donc voilà. Donc c'est pas la meilleure expérience de ma vie, clairement. Je suis allé à Bagatelle aussi. Espèce de pseudo parc d'attractions qui fait 3 mètres carrés. C'était terrible. J'ai cru que j'allais mourir. Alors. Après, pour moi, déjà, être à Paris, c'est vraiment le nord. Hein. Déjà, c'est très très clair. Quand tu dépasses Bordeaux, c'est le nord pour moi. Et pareil, l'année à Rouen n'a pas été forcément la meilleure de ma vie non plus. C'était assez difficile. À beaucoup de points de vue d'ailleurs. Bagatelle, c'est trop bien. Alors ça a beaucoup changé en 15 ans, hein, parce que franchement, je suis doux. Là, j'habite à Paris. Enfin, à côté de Paris. J'habite pas à Paris intramuros, j'habite en banlieue. Mais normalement, d'ici quelques semaines, je devrais pouvoir changer de région. Et aller plus au sud. Alors, on se fixe une date pour... À quelle fin? J'y suis allé, je devais avoir 16 ans, j'en ai 30. C'était il y a ouais, 14 ans, 14-15 ans, quoi. Donc ça a dû beaucoup changer en 15 ans probablement. Parce que là honnêtement, Bagatelle, c'était pas top. Hein. Ah pour aller à Bagatelle, ça fait un peu loin là. Là j'avoue que à 20 km de chez moi, t'as Walt Disney. Je préfère. C'est un peu plus. Comment dire? Plus cher déjà, mais quand même un peu mieux. Mais là Bagatelle, j'y refoutrais pas les pieds ça. Moi vraiment qui a un. Qui a un gros souci. Sinon, je n'irai pas à Bagatelle. En Savoie, c'est bien. Tu as tout à proximité. Oui. Bon, à Paris aussi, hein, je te rassure. Là, normalement, dans un peu plus d'une semaine, je vais voir Alexandre Astier en spectacle. À l'Olympia. Avec la première... Mince. Avec la première partie du mec d'y penser. Je vais arriver à le rusher, celui-là. Oui. Alors... Tu habites à HB. Je sais pas ce que c'est. Sauf les montagnes, ouais. Enfin, d'un autre côté, je suis pas très montagne. Je suis plus... Mais normalement, là où je déménage, il y a les montagnes et la mer. Donc, ça devrait aller. Enfin, et la mer. Et l'océan. Donc, ça devrait aller. Je ne serai pas dépaysé loin de là. Les températures seront forcément meilleures. Hénin Beaumont. Ah oui, je connais les deux noms. Hénin Beaumont. Pouet, 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 pouet. Hénin Beaumont, ça mérille. Et je ne dirai rien. Alors, tu ne savais pas les 6 IV? Non, je m'en fiche en fait. Non, celui-là c'est vraiment un shiny troll, hein. Je veux vraiment l'avoir uniquement pour emmerder Zygomur. Hein. Je m'en fous en fait, je le jouerai pas en strat. Sans compter que normalement... Enfin si je bride, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait, non, le 6 IV je m'en fous. Déjà tant qu'il est pas shiny, ça m'intéresse pas. Après on surveillera ses IV.
Il y en a un moment, ça mérite. Alors, je vais pas commencer à parler de la mairie d'Hénin-Beaumont alors que je veux mettre cette vidéo sur YouTube. Non, t'as la de naissance, je l'ai déjà. Alors. Putain, j'ai mal au dos, bordel. Tu vas te retourner, connard. Allez. Ma bite, quoi. Allô. Ma bite est un volcan. Non, même pas. Allô. Voilà, impeccable. Bon élément. Très bien. On vous rappellera. Dis-moi, c'est quoi l'adolescence? Ah, mais si je te le dis, après tu vas t'en rappeler, ça n'a pas de sens. Alors. Je mets 5E. On repart à gauche. Tout à gauche. On se cale dans le coin, là. Entre... l'entrée du truc et le panneau. Hop. Et puis maintenant, on peut aller jusqu'au bout. On ne sera pas embêté. Pouet, 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 pouet. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur partager le lien du stream. Ou sinon, vous tapez point d'exclamation clic. Et ça vous mettra un lien, un clic tout tweet. Vous pourrez tweeter. D'ailleurs, j'ai même pas mis Twitter parce que je suis un gland. Hop, Twitter sur le côté, sur votre écran. Bon, impeccable. Alors... du coup, je vais avoir 8000 milliards de messages. Déborah, non, ça s'en fout. Déborah, que veux-tu, Déborah? Ah, Déborah. Pourquoi tu es sur X et pas sur Rosa? Je suis sur Y, je suis pas sur X. Et parce que, par convention, en fait, maintenant, quand tu veux faire un stream Pokémon, tu mets Rosa, en général. Parce que ça m'arrive de switcher de jeu en jeu, pour diverses raisons. Si, admettons, j'attrape Hérissant maintenant, et je veux faire du Navidex, je vais pas changer le jeu, en fait. Donc... ah, il y a One Punch Man, c'est pété. Faut voir que je regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? La communication est interrompue. Tabernacle. Bon, tant pis. Oh, il est bleu, c'est incroyable. Alors salut, BAP 2003. Putain, je vois vraiment pas avec ce bleu sur fond noir, c'est terrible. Hi Lulu. Même pas mes lunettes en fait. J'ai zappé mes lunettes, ça doit être quelque part. Hein. Janvier 2002, formidable. Ce sera un giveaway de quoi? Bah déjà on n'est pas assez nombreux donc ça ne sert à rien que j'aborde le sujet. Jeune Baptiste. Je ferai un giveaway si on est suffisamment nombreux, ce qui n'est pas le cas. C'est ce que je fais maintenant. Je fais du giveaway, mais que quand il y a assez de monde. C'est quoi ton nom sur Pokémon Doui? Salut Zertac. Il est bleu, Colis de Tsabernak. Il est bleu. C'est fou.
Ah, merci, merci Baptiste pour le tweet. Ton geste est grand et bon. On sent qu'il veut. Oh yeah! Ah! Merci Federico Galdi pour le tweet. Je vais mourir. Allô? Oh là, c'est terrible. Je viens de m'éclater les oreilles. Alors, attends. Je sais pas si j'ai eu flash. Attends, je vais refaire le test parce que franchement, je me suis éclaté les oreilles. Alors. Oh, je me suis tué. Je le sens beaucoup plus fort. C'est à toi, Frédérico. Attends, on va refaire le test. Oh, putain. Comment tu fais? Tu as tous ces œufs? Eh bien, tout simplement, je fais du Masuda. Alors, attends, je vais tester l'alerte. Oh, yeah. Beaucoup mieux. Très bien. Beaucoup mieux. Alors, où en étais-je? Oui. Tu verras, Baptiste, je vais t'expliquer. Et merci donc pour le tweet, Federico Galdi. Je suis maintenant sourd. Allô? Je n'entends plus rien. Jean-Michel, je ne sais pas configurer un stream. Alors, je me suis traité un galam avec des emails. Je voulais savoir si l'attaque spé, c'est pas grave. Galam, il vaut mieux le jouer en... Il vaut mieux le jouer en physique, je pense. C'est quoi Masuda? Alors, tu as un lien, en fait, en dessous du stream. Où il y a marqué Initiation au Shiny Hunting. Et, qui t'explique ce qu'est le Masuda. Merci Zertak pour le tweet. Moi, Galam, je joue en physique. Mais c'est personnel, hein. Après, je suis pas strat du tout, alors... Oh. Ah, merci Shizo51 pour le follow. Merci à toi. Alors. Donc, on va les relâcher. En fait, la méthode Matsuda, qui vient de Junichi Masuda, te dit que tu mets un métamorphe étranger avec un... Comment dit-on ? Avec un Pokémon de ta cartouche. Donc, théoriquement français. Si tu joues avec une cartouche française, tu as deux fois plus de chances qu'il soit shiny. En fait, le but du jeu, c'est de faire des œufs en boucle pour comment dire, pour qu'il apparaisse en shiny, tout simplement. Alors, je veux t'ajouter un ami. Oui, mais ma console est pleine. Alors, je t'encourage à attendre ce soir. Je vais faire un vide cet après-midi, je pense. Enfin, je vais essayer d'y penser. Pour faire de la place, parce que j'ai déjà les 100 contacts qui sont dedans. Mais je... Tu peux m'ajouter ultérieurement si tu veux. Enfin, tu peux m'ajouter, mais je pourrais pas t'ajouter. Je suis déjà à 100. Enfin, si tu veux m'ajouter, vas-y, y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme truc? C'est quoi Masuda? Je viens de l'expliquer. Zertak, oui, mais j'ai livré en attaque et en vitesse, mais il attaque SP aussi, c'est bon, c'est pas grave. J'en ai aucune idée. Franchement, je joue pas strat, donc je peux pas te dire. J'avoue, je. Là-dessus. Non, c'est beaucoup plus que ça, Pierre. C'est beaucoup plus que ça. Tu dois être dans les... Je sais plus. J'avais fait les calculs, mais... pour l'article, j'avais fait les calculs. Mais là, maintenant, te trouver un chiffre, j'en ai aucune idée. Là, tu vois, on a 3 œufs. N'hésitez pas à partager le lien du stream, comme l'ont fait Zertak, Baptiste, etc. N'hésitez pas à hoster si vous êtes streamer vous-même. Non, je pense qu'on est plus dans les 500, hein, Pierre, honnêtement. Mais bon. Après, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse loin de là. Ça se saurait. Salut V-Point, salut à toi. V-Point, pardon. V-Point, je sais pas comment on dit. Tu me diras. Waypoint. Parce que normalement, Waypoint, c'est quoi comme ça? J'ai pas de shiny de nature, j'étais obligé de demander un tarsal rigide à quelqu'un. Après, changer la nature, on peut s'arranger. Ça, tu passes au bureau, on s'arrangera.
Alors, allons-y. J'ai vu ça sur un article, très bien. Après, le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de stats officiels, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Comment on a le charm chroma? Il faut que tu attrapes tous les Pokémon. Les 700... Il y en a 14 qui comptent pas. 707, je crois, un truc comme ça. Mais Baptiste, regarde le billet que j'ai fait sur le Shiny Hunting, parce que je sens que tu ne maîtrises pas, là. Je sens que tu es dans le flou, tu es confus. Tu as une Power Save, oui. Ce qui me sert à cloner les Pokémon pour vous les distribuer, bande de salauds. Une fois qu'on a nos 5 E, on fait nos pas, ils vont éclore, et voilà, etc, etc, etc. Faut cheater pour avoir tous les Pokémon, pas du tout. On l'a fait en stream, ça marche très bien. Pas du tout cheater, ça n'a aucun sens. Ça a été fait un peu avant Noël, on avait fait un stream exprès. On avait appelé Objectif Chroma, je sais pas si vous vous souvenez. Pour les anciens. Je dois avoir le logo qui traîne quelque part sur cet ordi. Il est bleu! C'est incroyable! Et tu fais pas les faciles? C'est-à-dire les faciles. Pour mieux gêner secte ou pas? Non, alors, Baptiste, pour la troisième fois, lis le billet que j'ai fait. Comme je te l'ai dit, il y en a 14 qui ne comptent pas. Pour le charme chroma. Tous ceux que tu ne peux pas avoir hors distribution ne comptent pas. Mais comme je le répète, j'ai fait un billet exprès dessus sur mon site. Lis-le. Après, si tu as d'autres questions, je répondrai maintenant. J'ai fait un billet exprès. Ce serait quand même dommage de ne pas en profiter alors que tu as tout décrit. Pourquoi tu n'as pas illuminé pour éclore? Parce que j'en ai pas envie. J'ai le charme ovale, tout à fait. J'ai le charme chroma, donc j'ai le charme ovale. Enfin, for same. Parce que je préfère le faire ici. Parce que sinon, je dois voler, machin, truc, ça me fait chier. Et que là, j'ai pas besoin de voler. J'ai pas besoin. Je suis très bien là. Mais effectivement, il y a une technique à Illumis. Parce que c'est une ville qui est circulaire. Il est bleu, mais c'est fou. Oh là, c'est incroyable. Je tombe des nues. C'est fou. T'es en train de regarder mon flux Twitter qui est en train de péter les plombs. Est-ce qu'il va être shiny? Est-ce que Zygomio veut péter les plombs? Pour le giveaway, t'as qu'à cloner ton Unipio shiny. Non mais, pour le giveaway, je me garde quand même le droit de décider ce que je distribue. Tu es gentil. Et là, pour le giveaway, non, c'est des Pokémon un peu plus rares que ça, quand même. Brocélium. Je sais même plus où il est celui-là. Je l'ai pas déjà, Brocélium. C'est sûr. Si, Brocélium, je l'ai, c'est l'arbre, c'est ça. Je l'ai déjà eu. Hein. Je me trompe, peut-être. Je mélange à force. Vous savez, sur 133, c'est déjà pas mal. Mais là, pour l'instant, ce sera... Irisande. Je l'ai déjà. Oui, métamorphe 6IV, oui. J'ai un métamorphe 6IV japonais. Alors, on a nos 5 E, on est à 125.
Donc on le rappelle, hein, si vous voulez diviser le nombre de pas par 2, vous utilisez donc une reclusion bien sûr, mais vous pouvez utiliser un Pokémon qui a corps ardent, qui divise le nombre de pas nécessaire par 2. Ce qui est assez intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles j'utilise Flambusard. Un Flambusard corps ardent. Sinon vous avez Magmar qui est là aussi, il y en a d'autres. Tapez corps ardent sur Wikipédia, vous voyez très bien qui l'a ou qui ne l'a pas. Ça aussi, petit tips. Mais là, j'utilise pas d'aura, je vais peut-être le faire d'ailleurs. On va se mettre une aura. Pour essayer de maximiser. Pyrex, je crois qu'il l'a aussi. C'est possible. Pyrex, pardon. Pyrex, c'est des plans Pyrex. Je suis fatigué. J'ai peu dormi cette nuit encore. Beaucoup de choses à penser. Beaucoup de choses à faire. Mais bon, j'ai passé une bonne soirée hier soir, donc ça va. C'est cool. Sur les... je n'en ai plus aucune idée en étant tout à fait honnête avec toi, Zertak. Yannès et Plou. Tiens, vous avez Metal Gear Solid à 19€ sur PC. Je vais le retweeter avec Crevard 2.0. Alors, salut Mister MIB, ça va et toi? Ah, Song Request, oui, bah là c'est le son du jeu. Donc, no Song Request. Alors, Ok, on a nos 5 E, on repart. Normalement, il n'est pas nécessaire, devrait être bon, parce qu'on a pris une aura éclosion. Oh putain, quel con. Je suis à la moitié. Alors. Fish King, I'm sorry. Only original game music today. No music. Alors. Cent vingt-six, non. Digobu Pachaini. On verra. De toute façon, l'Hérissant y tombera un jour. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, mais il tombera. C'est sûr. Donc, ouais, je vous encourage à suivre le Twitter crevard2, le chiffre. Point P-O-I-N-T et le chiffre 0. Où je tweete beaucoup de bons plans actuellement. Après, c'est vous qui voyez. Parce que là, avec la Cyber Week, il y a pas mal de bons plans. Je vais vous l'écrire. Ce Twitter-là. Il y a beaucoup de bons plans. Là, je viens de tweeter un Metal Gear Solid 5 à 19€ sur PC. Ça peut être cool, pour ceux qui ne l'ont pas fait.
Allez, 129. Est-ce que ça va être bon? On y croit. Non. C'est triste. Sachant que cette méthode n'est là que pour repeupler le monde de Irisand. C'est le but. J'ai repeuplé à grands coups de passe rouge déjà. Mais là, Irisand, je le sens, c'est le bon. 130. Non. Ce sera pas un Enupio. Vous voulez faire Safari ou Masuda? Safari, clairement. Après, tout est range. Tout est. Ah, GG. C'est un MB. Putain. C'est les Melf Games. Merde, pourquoi je m'ai déposé, putain? Ah, ils font chier avec ce truc. Alors, ouais, Cresselia, cool. Mais pour revenir à Masuda ou Safari, tout est random, hein, donc. S'il faut, ton Safari, tu vas passer 4 heures dedans. Et s'il faut, ton Masuda, en 20 secondes, c'est fini. Mais bon, c'est vrai que niveau efficacité, moi, je préfère quand même le... Comment dit-on? Je préfère quand même le Safari. Alors, pourquoi pas un Irisand Shiny? Eh bien, tout simplement parce que je ne l'ai pas. Donc, voilà. Je ne fais des discussions que les Pokémon que j'ai. Sinon, ça n'a pas de sens. Ah, bien, Melvin. Alors, le Poké Radar, c'est typiquement le genre de truc qui me fait péter les plombs. J'ai aucune patience. Ça vaut le coup la power save? Ça dépend pour ce que, pourquoi en faire. C'est toujours le même problème. Si tu veux pirater ton jeu à mort, si tu veux, oui, mais ça n'a pas de sens, quoi. La power save, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas vraiment pour faire des distributions que tu veux l'avoir. Donc, après, si tu veux avoir tous les Pokémon, vas-y. Hein. Mais bon, c'est pas comme ça que moi je vois le jeu. Là, clairement, avec la power save, je mets ma cartouche, je dis voilà, Irisand, je le veux en shiny. Voilà, je l'ai, ça m'a pris 3 secondes. Mais par contre, il n'y a absolument aucun mérite. C'est-à-dire que ton Pokémon, il n'aura aucune valeur, vraiment. Et que là, si je passe 3 heures à l'attraper, ben voilà, il aura une valeur à mes yeux en tout cas. Après, c'est que de la donnée, hein. Si tu veux pirater ton jeu, t'achètes une power save, voilà. Tu fais pas les fossiles, non?
C'est dur le dimanche matin. Hein. 132 noms. Et vous, qu'est-ce que vous chassez? Dites-moi. La griffe. Ah! Faute. Faute grave. Donc 133, non. Muscule ou Pekarada, Gobu. Il y a de la recherche, il y a de la recherche. C'est le Ténéfix. Un badge challenge, salut puceau. Cent trente-quatre. Non. Cent trente-quatre, non. C'est une tristesse. Allez, plus qu'un. Allez, faut briller là, faut briller maintenant, c'est le moment, c'est ton moment. On va invoquer le shiny, on va le summon. Tiens, je vais aller checker mon réseau social. En attendant. Alors, attendez une seconde. J'enlève cette photo. Ah non, merde. Hop là. Hop là. Est-ce que oui, bien sûr, ça. Ça a droppé, ça a droppé. Alors, s'il vous plaît. Alors. Je. C'est une photo qui a été prise hier soir. J'étais pas en forme, hein. En me levant à 4h, c'est difficile de recevoir des gens après. Mais c'était cool. Allez, mais éclos, saloperie. Allô? Il faut éclore maintenant. Faut sortir. Comme un œuf Kinder, pareil. Voilà, parfait. Très bien. À la frame, formidable. J'ai froid, sérieux, j'ai froid, les gars. C'est terrible. Je vais peut-être mettre le chauffage. Quoique, le stream est terminé en pas longtemps. Donc je vais peut-être éviter. Alors, je mettrai le chauffage quand je serai devant ma télé. Alors, hop, ranger les boîtes. Hop, dégage. 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 Et dégage. Alors. Vous êtes devenu silencieux d'un coup le chat, c'est terrible.
Donc je pense que ce matin on ira jusqu'à 150. Et puis ce soir on verra si on continue. On peut cloner jusqu'à combien de Pokémon avec la Power Save? Bah, à l'infini. Tant que ta cartouche peut en contenir. Après, tu peux Masuda Goinfrex. Oh là là, mais lui, il a un nombre de pas infini, je crois, Goinfrex. Je crois que Goinfrex, c'est l'enfer sur Terre, quoi. On verra. Si vous êtes vraiment très sage, on verra. Mais après, je suis pas sûr que Masuda vous passionne. Hein. On va varier les méthodes, quand même. Après, il faut la repartir sur Rossa un peu. Refaire un peu de Navidex. Dix mille pas. Oh, la bite, quoi. Non, c'est mort. J'aime beaucoup les gens qui me demandent de parler anglais sur mon propre stream. Je fais un peu ce que je veux, quand même. C'est ça. Je fais même que ce que je veux. T'as toujours pas compris le Navidex? Bien écoute, on fera un stream dessus, tu verras. C'est pas compliqué. Ça n'est pas compliqué. C'est une méthode de l'enfer, mais c'est pas compliqué. Ok, on a nos 5 E. 5 E. C'est... Moi, je trouve ça simple. Non, moi, ça me sert à cloner pour faire des distributions, tout simplement. Je me suis pas fait chier avec ça. J'ai un... Alors. Faut être combien pour le giveaway? Je sais pas. Plus que ça. Chaîne de 21. Ah, 21. T'es encore un peu loin du compte. T'es même pas la moitié. Enfin, si, t'es à la moitié, mais... Sachant que le dernier est toujours le plus long. Non, genre plus. 10, on l'a été tout à l'heure. Hein. Y a pas de... Là-dessus, c'est pas un souci. On a été 12, 13, 14. Je sais pas. Je sais pas trop surveiller, j'avoue. Il faut être plus que ça. Ah, il y a un nouveau RER qui va sortir. Ils vont sortir une nouvelle phase de RER pour le RER E. C'est bien ça. J'ai combien de follow? Je sais pas. 1000, je crois. Un peu plus, je sais pas. C'est marqué en bas de la fenêtre, dites-moi. J'ai plus de 1000, je crois. Un cas viewer pour le... Non, peut-être pas. Je vais pas attendre qu'on soit 1000 sur le stream. C'est aussi pour habituer les gens à venir régulièrement. Parce que si c'est pour venir prendre un giveaway et se casser, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir une base. Merci. 1038. Oui. Ce 1038, c'est fou. Allez, on va y arriver. Encore 14 E. Et puis on se donnera rendez-vous cet après-midi ou ce soir, je sais pas. Peut-être que je ferai un stream avec, avec des viandes, on verra. Oh, ah, merci, yeah. CK Charles 18 pour le follow. Merci à toi. Eh bien, salut. Et merci pour le follow. C'est gentil. C'est kawaii. Alors que Zygomio n'est toujours pas venu.
137, eh bien non. Hérissant dans les pas shiny, c'est fou. C'est fou, c'est fou. La foule est en délire. Tout ça, là-haut, là. Ah, merci. DJ Miner 1001. Thank you for follow. À quoi un stream sur Afterbirth ? Eh bien, bientôt. J'ai déjà le layout et tout, hein, regardez. Tout est fait, hein. J'ai déjà le layout. Voilà. Bon, après, on n'aime pas, mais... voilà. Normalement, au milieu de l'écran, vous aurez le jeu, et en haut à droite, vous aurez le tracker, voilà. Pour la petite histoire, hein, tout est prêt. Parce que je fais mes layouts moi-même. À 600 Phantominus. Ah, Phantominus, je l'ai eu, par contre. J'ai eu un Phantominus Lévitation. En 6 IV. Et le Méga Ectoplasma Shiny est magnifique. Il est vraiment superbe. Ah, merci, hein, Mathis, c'est gentil. Ça, tout ça, c'est moi qui le fais. Hein, mes trucs. J'ai arrêté de demander aux gens, ça me cassait les couilles. Hein, parce que c'était bien, il n'y avait rien à dire. Les gens font du bon travail. Mais c'était pas comme je voulais. Et donc, comme j'en ai marre d'être chiant, je préfère être chiant avec moi. Même plutôt qu'engueuler les gens. Il est trop beau, mais avec tout placement, je dis carrément, il est super beau, il est blanc, immaculé, il est super beau. J'aime beaucoup. Après, je crois que c'était l'an dernier, ils ont fait une distrib où ils l'ont distribué directement en shiny, je trouvais ça débile. Il est pauvre, hein. Il est pauvre, hein. 139, allez, on approche. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un tweet à Zigomion? Est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui sont là? Pour lui dire qu'on atteint bientôt les 150, qu'il commence à trembler. C'est quoi la distribution? Putain, tu me fatigues avec ta distribution. Hein. La distrib en ce moment chez Micromania, je crois que c'est ou pas. J'ai récupéré des codes, mais... ou pas, tout le monde l'a déjà. Mais... récupérer la power save, je peux faire la rapport même. Oui, mais ça, de toute façon... La power save, enfin vraiment, tu vois, j'en ai une, mais je m'en sers vraiment que pour cloner, quoi. Sinon, ça ne m'intéresse pas de shiniser les Pokémon, ça enlève vraiment tout intérêt, quoi. Je pourrais tous les avoir en shiny, mais ça ne m'intéresse pas. Elle est finie à distribuer ou pas? Je pense pas, non. Alors bon, pour répondre à Baptiste, parce que bon, depuis tout à l'heure, il est en train de chercher, ça m'énerve. Donc il y a ça en distrib. Et il y a ça. Voilà. D'autres questions? Très bien. On peut donc continuer de manière sereine. Et si tu n'as pas regardé l'écran, eh bien tant pis pour toi. Tu n'avais qu'à pas quitter l'écran des yeux. Je sais pas s'il me reste pas des Rayquaza Shiny d'ailleurs. Il faudrait que je regarde dans mes boîtes. Voir si j'en ai pas un petit qui traîne. La distrib Nintendo aussi. Comment là, le Yveltal Shiny en distrib. C'est une distrib japonaise. Vous remercierez Bobby pour ça. Et Rayquaza Shiny, c'est une distrib Nintendo. Qui avait eu lieu à la Paris Games Week, entre autres. Donc du coup, j'avais récupéré le code, on l'avait récupéré ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait vu. Et donc je l'avais cloné pour vous le distribuer. Et je crois qu'il m'en reste, mais je ne suis pas sûr. Comment les distribs japonaises? Eh bien, tu vas à l'aéroport, tu achètes un billet pour le Japon. Ensuite, tu vas probablement à Tokyo ou à Kyoto, parce que c'est rarement dans les petites villes. Et puis voilà, et tu vas dans un Poké Center japonais et tu récupères le Pokémon, tout simplement. Sinon, comme moi, tu as des potes qui habitent au Japon et qui peuvent te les envoyer. Elle est comment? La chanson spéciale du Pokéradar, elle est accélérée, en fait, simplement.
Mais le game. Dans ce cas-là, tu passes à une chance sur 200. Tant que la musique est active. Non, j'ai pas de nouvelles de Bobby, c'est très chiant. Parce qu'il devait revenir en France en fin d'année et on arrive déjà en décembre et je n'ai pas de nouvelles. Donc ça m'inquiète un peu. Mais bon, il est grand, ça va aller. Bon. Wellmer, dur à voir, pas du tout. Wellmer, facile. Allez, les 10 derniers œufs. Et puis on s'arrêtera là pour ce matin. Allez, putain. Attends, je vais me remettre une aura parce que c'est super chiant. Parce que sinon, on va y mettre des plombes. Et je commence vraiment à avoir froid. Je ne sais pas quelle température il fait. Je vais vous le dire. Putain, j'ai changé de clavier, c'est un enfer. Il fait 8 degrés. Je sais pas combien il fait dans l'appart, il doit faire, hein, je sais pas, 17, un truc comme ça. En tout cas, moi j'ai froid. Donc 141ème, il n'est pas shiny. Ah, mais il n'est pas shiny, t'as mangé un kebab. Oh là là, j'ai pensé la dernière fois, mais oui. Ah, le kebab de la vie. Là, ce midi, je sais pas, j'ai peut-être mangé des pâtes. T'as quoi pour filmer? J'ai une caméra. Simplement. J'ai une webcam qui me filme et une webcam qui filme la console. Et pour le son, j'utilise un port dédié de ma carte son. Tout simplement. Puisque sinon, ma carte son est utilisée par mon micro. C'est très technique. Ah, Jean, oh là là, Jean Deathwalk de la Team Gaming Live. Eh oui, ton Gaming Live est présent, salut à toi. Attends, Jean, je vais être très gentil avec toi, regarde. Ah, Jean Deathwalk, eh oui. Voilà, modérateur, attends, c'est ça qu'on veut. Donc t'arrives à la fin, je vais jusqu'à 150 là, et puis... Arrête, est-ce que je me caille, j'ai froid. Est-ce que t'as vu ce magnifique micro, Jean Deathwalk? Eh oui. Le micro de la qualité. Le micro à 130 balles, eh oui. J'ai dépensé sans compter. Attends, du matériel digne de Gaming Live, hein, sauf la carte d'acquisition. Mais un jour peut-être. Le micro de qualité C. T'es le deuxième à faire le coup en stream. Le coup de quoi?
à te modérationner. Wow. Et ce Pokémon qui refuse d'être marron, tu vois, c'est pour tous mes frères noirs. On veut tous être marron. Alors, il fallait un petit instant raciste quand même. Le coudou. Ah, il y a Jean de Gaming Live, mais ouais. Mais tu sais que je te connaissais avant, Jean, oh là là. Je vais pas dire Jean de Gameblog. De l'autre côté, t'as changé ton pseudo, hein. Je veux dire, tu as accepté. Tu as accepté la critique. Alors, au Poké Radar, quand on a une chaîne de 40, ça fait quoi? Bah, tu passes à une chance sur 200. Donc, à partir du moment où t'es à 40, tu vas reset jusqu'à ce que ton herbe brille. Et si l'herbe brille, le Pokémon est shiny dedans, c'est obligatoire. Donc, on va récupérer le 5 derniers œufs. Comment ça va, Jean Deathwalk? Est-ce que tu as une PS4, tiens? Parce que j'ai acheté une PS4, j'ai vendu ma mère. Le fric, le pognon. Attends, c'est quoi? Et si on piffe pas? Oh mon dieu, quelle horreur. Alors. Attends, j'ai vendu ma mère pour une PS4. Donc, est-ce que tu as une PS4? Parce que j'ai vu que Seiko en a une. Attends, c'est incroyable. Seiko a une PS4. Alors, t'as pas de PS4. Ah, ouais, merde. Ça marche moins bien. La connexion à internet est plus difficile. Mais possible. On reset le Poké Radar ou on reset... Ah non, 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 tu resets le Poké... Tu sais, tu relances en fait ton Poké Radar. Faut surtout pas reset ta console. Alors là, malheureux. Pardon. Si tu resets ta console, tu peux la prendre, la casser comme ça. Tu dis, ah, j'en ai marre. Alors, oh là, mais avec le budget incroyable de Webedia, je ne comprends pas qu'ils ne te fournissent pas une PS4 gratuitement. D'ailleurs, il paraîtrait, alors c'est une légende urbaine, hein, on me l'a dit dans l'oreillette, que vu qu'il n'y a pas d'autoroute et pas de transport en commun à Paris aujourd'hui et demain, possible et plus accessible, non, c'est vrai, je crois. Mais j'ai encore la carte réseau pour la PS2. C'est assez chaud à trouver, mais... Mais bon, ça, putain. Donc voilà, plus qu'il n'y a pas de moyen d'aller dans Paris, eh bien, Webedia a fourni à tous les casteurs de Gaming Live un hélicoptère. Un hélicoptère pour qu'ils puissent aller au travail. C'est incroyable. Ah, c'est fou. Tiens, blague à part, j'ai aidé MV Jean Deathwalk. Je sais pas si t'as suivi un peu sur Twitter, mais il était en galère avec Bouygues. Et je lui dis, mais pourquoi t'as pas demandé... En fait, un code incident à Bouygues pour récupérer une clé 4G dans n'importe quel magasin Bouygues, quoi. C'est, enfin, tu vois, il a le droit de le faire. Et il m'a répondu, il me dit, ah putain, j'étais pas au courant. Et en fait, apparemment, il s'est arrangé plus ou moins avec Bouygues. Donc, je lui ai envoyé un merci qui, et j'attendais un merci Jackie et Michel, mais j'ai rien eu. Voilà, bref. Mais ouais, mais voilà, mais une clé 4G, mais non, c'est fou. Donc voilà, je pense que ça l'a aidé, en tout cas, je l'espère. Tant que je peux aider MV, ça me va. Vale. 146ème, on y arrive, on y arrive. On est bon. Le public est en délire. Je sais pas. Voilà. J'ai même pas eu mon merci Jackie et Michel. Incroyable. J'étais fou. Oh là, 147ème, il est toujours pas shiny. Mais nous allons y arriver. C'est promis. Plus que 3. C'est bon, j'arrête le Poké Radar, j'en ai marre. Ah. Et ouais. Mais le Poké Radar, c'est dégueulasse. C'est le truc le plus random de l'univers. Si tu m'épiques, moi, il est centre, je te pousse à la fin de ta vie. Mais t'arrives à la fin, Zigo, j'arrive jusqu'à 150. C'est tout. À 150, j'arrête. Parce que j'ai froid et j'aimerais bien aller un petit peu me poser. C'est un petit moment que je stream. Non, Azertac. Attends.
Les gens qui font du poker là. Ah, le guac, j'aime ça. J'aime le guac. Ah, mais Zigo, je vais tellement l'avoir avant toi. Oh, 27, ça va. Quand tu passes les 30, c'est super, super l'avant. Alors. Ah, une foule en délire. Ben oui, évidemment. Ah, l'aura éclosion s'est dissipée. C'est là, ça y est, c'est l'espoir que Zigomu attendait. Tu sais que si je l'attrape, il s'appellera Zigomio. Si je l'ai avant toi, je vais me nourrir de ce guac. Complètement. Mais je vais tellement l'avoir avant toi. Parce que moi, j'ai pas le temps. T'as eu Stalgam un camp il y a 3-4 jours. Hein. J'ai pas streamé depuis, en fait. Oh, j'hallucine. Quelle heure il y a, putain, on a du temps encore. J'ai froid. Sinon, on continue un peu, mais par contre, je prends 5 secondes pour allumer mon chauffage et aller me faire un thé, quoi. Si tu l'as avant moi, j'arrête de le massouler, j'en ferai un autre. Oh, le boudeur! Oh, le guac! Oh, j'ai faim! Oh oui, autant de guac! Mmh. Ah, il a un bon goût, en plus! Mmh. Avec Colimicus, tu as Pokébip, hein, qui a une banque. Code ami, si tu veux. Ah, oh, ce guac est d'une saveur incroyable. Je me nourris de ce guac. Sera-t-il shiny? Salut Néofraps. Salut à toi. Bon, les petites pauses de quelques secondes, le temps que je me fasse chauffer une boisson chaude et que j'allume mon chauffage. A tout de suite. Oh yeah. Merci à Néofraps pour le follow.
Voilà, de retour. Alors, je vais laisser ça infuser quelques secondes. Donc, il n'est bien sûr pas shiny. On va retourner à cette banque incroyable. Pas cette banque, cette pension incroyable. Pour un petit quart d'heure, hein, pas plus. Parce que j'ai vraiment pas le temps. Comme dirait Faf la rage, j'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Skype, bah là en fait avec le son du jeu je pourrais pas t'entendre, en étant tout à fait honnête. Là avec ce câblage là je pourrais pas. Mais après si tu veux, ouais. Celle-là j'ai le son du jeu assez fort dans les oreilles en fait. Pour que vous l'entendiez, je l'ai assez fort. Alors, En tout cas, cette vidéo normalement devrait aller sur YouTube parce qu'on me l'a demandé 1000 fois, donc voilà. Je mettrai les replays où je n'écoute pas de musique sur YouTube. Hein. Si j'arrive à l'uploader, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à partager le lien du stream. Allez, retourne-toi, putain. Sachant que cet après-midi, je vais essayer de voir si, si Deviant est motivé pour un stream. Je sais pas encore ce qu'on va streamer. J'espère que vous serez là. Ce sera pas Pokémon, du coup. Mais j'espère que vous serez là. Tu n'utilises pas d'aura si, mais elle vient de se dissiper. Mais j'attends... J'attends un petit peu que ça se refasse, mais si, si, j'utilise les auras, hein, Néofraps. Hein. Et merci pour le follow, je sais pas si tu as entendu tout à l'heure. C'est Zanti. Tu as loupé l'animation incroyable. Hein. Des follow. Vous voyez pas, mon monté est fumant. Hi, loulou. Tu seras pas là. Bien, écoute, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être après-demain. Là, je peux streamer pendant quelques jours. Après, ce sera un peu plus compliqué. Sachant qu'on m'a redemandé du Isaac, donc ça m'a fait plaisir. On fera peut-être du Isaac en effet. J'ai changé de clavier, tiens. C'est mon clavier, je lui ai trop tapé dessus. Je n'ai aucune idée de ce que tu dis. Je n'ai pas du tout ce que ça veut dire. Je vais essayer de me reconnecter à internet, voir. Ça devrait être bon. Si vous me voyez, envoyez-moi des auras. Éclosion, s'il vous plaît. Ça serait sympa de sec. Oula, pardon. My bad. J'ai
posé ma main sur la souris, ça a cliqué sur une autre scène, désolé. En fait, il me faudrait un plus grand bureau. En fait, parce que j'ai déjà beaucoup de bordel. Bon, déjà, si le son est bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Ah, le 552e va être shiny. Je le sens. Zygomio tremble. La foule est en délire. Ces câbles n'arrêtent pas de tomber. Ça me casse les couilles. Ah là là, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Perrier, c'est fou. Allez, 10 petites minutes. Vite! Je vais me préparer à manger. Alors, salut The Straz, ça fait très très longtemps que je passe sur le live. Comment ça va? Ça va très bien, mais tu arrives en fin de live, il reste 10 minutes, même pas. Mais ça me fait plaisir de te revoir. Un œuf Kinder. Zygomio tremble à chaque fois qu'un œuf s'ouvre. C'est fou. Zygomio est à la frame. On sent la sueur couler dans l'arrêt de ses fesses. C'est terrible. Tu y crois à l'Hérissant de Shiny, bien oui. L'Hérissant de Shiny qui s'appellera Zygomio, hein, je vous le dis. Évidemment. Hommage à son nez. Hein, voilà, évidemment. Tel Zlatan, il a un nez proéminent. Vous ne le saviez pas, je vous le dis. Pour la banque, il faut... Tout à fait. Tout à fait, il faut que la personne puisse t'ajouter aussi. C'est pour ça que tu leur envoies un message. Tu as marqué contacter la personne, tu lui envoies un message, tu dis ouais, ça m'intéresse, tu peux m'ajouter. Puis voilà. Normalement, il va te. Il va t'ajouter. Oh, yeah. Merci Axeimir pour le follow, merci à toi. Allez. Il y a 7 minutes. Vite! Si vous avez un peu faim, je vous invite à vous nourrir du guac de Zygomio. Il paraîtrait que juste avec ce guac là, on peut nourrir le Burkina Faso pendant un an. C'est dire. Je vois que ça marche toujours longtemps. Peut-être qu'on fera du poker avec des viandes, je vais voir. Hein. Faut voir si lui est motivé pour streamer. Corayon, hein, ça fait des amis. Ah, bien, écoute, bon quoi, je ne sais plus de quelle couleur il est, Corayon. Il est rose d'habitude, je crois.
Je ne sais plus quelle couleur il est en chaîne, étant tout à fait honnête avec toi. Tu vas peut-être pouvoir éclairer ma lanterne. Enfin, peut-être de la pêche. Tiens, la pêche, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Bleu, merci. Il n'y a pas tant de délai que ça. Hein. Je confirme ce que disait Keldeo tout à l'heure. Il n'y a pas tant de délai. Twitch se serait-il mis à avoir des serveurs potables? C'est complètement fou. C'est fou. Ce sera peut-être bientôt quelque chose de qualité. Alors là, je tombe des nues. Allez, 5 minutes. Je pense que ça va être les 5 derniers œufs. 11h50. Oui, je sais. Mon téléphone sonne. C'est n'importe quoi. Cette fin de stream est complètement folle. Ah putain, j'ai mal à la main. Surtout, il n'y a personne qui stream. Ah ouais, mais ça, ça moi, j'y peux rien. Hein. Écoute, moi, je stream. Les gens viennent, tant mieux. Les gens viennent pas, tant pis. Hein, je veux dire, à un moment donné, hein, c'est bon, quoi. Surtout qu'en fait, on m'a demandé de faire des vidéos pour YouTube. On m'a dit, ah là là, YouTube, YouTube, YouTube. Ça fait 6 mois que vous me rabattez les couilles avec YouTube. Alors maintenant, du YouTube, voilà, vous allez en avoir. Mais surtout qu'en fait, il me fallait une alternative pour pas me faire striker mes VOD. Donc, salut Tom Hunter, c'était ton clavier de téléphone. Mais salut à toi, Tom Hunter. N'hésite pas à follow la chaîne. Ah, tu arrives, il reste 4 minutes de stream ou 3 Pokémon. Il me reste 3 Pokémon à éclore. Tu arrives à la fin. Parce que je vais aller manger. Car j'ai faim. T'es une chaîne YouTube. Ah là là, formidable. Eh bien écoute, non pas encore, mais celle-là sera uploadée sur YouTube, normalement. On m'a déjà posé la question 8 milliards de fois, et je vais enfin pouvoir répondre oui. Alors qu'il y a des VOD sur Twitch, hein, mais les gens veulent absolument une chaîne YouTube. Donc très bien. Je vais faire une chaîne YouTube, c'est promis. C'est promis, juré, craché, tout ça. Voilà, faut éclore maintenant. Alors. Et là, le Shiny arrive à la fin. Et Zygomio est au bout de sa vie. Il va penser à écouter un disque de Laurie. Ou à regarder un film de Kev Adams pour arriver à se suicider. Oh putain, c'est bien. Alors. Regarde dans la fac de la description. De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi, j'ai mis que j'avais une chaîne YouTube? Non. Parce qu'on me broute les couilles depuis 853 ans avec cette chaîne YouTube. Ah, merci Doudek pour le follow. Merci à toi. Doudik, je sais pas comment on dit. Bien, merci pour le follow. Donc je vais en faire une. Oui, ça y est, ça y est, ça y est, vous avez réussi à me faire craquer. La pire des morts, regarder un film de Kev Adams, mais carrément, c'est horrible. Kevin Smadja de son vrai nom. Hein. J'aime pas les pseudonymes. Kevin Smadja. Et il est pas shiny, oh là là, mais là Zygomio est au bout de sa vie. Il a serré les fesses, on l'a vu. Tout le monde l'a vu. Allez, dernier Pokémon. Ah, merci à celui qui m'a envoyé l'ORS. C'est gentil. Vite. Salut Doudik, tu découvres Pokémon, tu y joues plus, je suis à Gen 4, salut Kanjo, mais t'es arrivé à la fin, je suis désolé. Ah Kanjo, merci pour le Star Wars. C'est gentil. Eh bien non, Zygomio va pouvoir encore respirer. Tu fais un coucou rapide plus portable. Ça a changé depuis Diamant des Perles, oui ça c'est sûr. Donc, les 160, non, clairement pas. Mais bon. Donc, tu vois, midi et tout le monde arrive. Mais oui, mais c'est, ouais, mais malheureusement, moi, midi et tout le monde va manger. Parce que moi, j'ai faim. Je suis en décalage avec le monde, tu le sais. Donc, ça se voit, j'ai tout qui est fermé et tout. Enfin, tu vois. Et donc, voilà. En tout cas. Donc, oui, cette vidéo va enfin aller sur YouTube. Vous allez enfin arrêter de me casser les couilles avec cette chaîne de merde. Je pense que je vais prendre un esclave thaïlandais pour s'en occuper, d'ailleurs. Parce que j'ai horreur de YouTube.
Je stream cet après-midi probablement, ça dépend si Deviant veut streamer ou pas. Puisqu'il va passer normalement à la maison cet après-midi, il faut juste qu'on aille faire un tour. Ah, tu vois, Jin Deathwall, Kanjo, tout ça, tout ça. Tout le monde est là, tout le monde arrive, toute la crème de la crème de français au gaming, gaming live. Viens et sur ce stream, c'est formidable. Ah. Et puis comme je suis un connard, hop, regarde. Merde, non, pas ban, non. Ah. Putain, voilà, c'est bon. Non, non, non. You must unban, oui, c'est bon. Mais je l'unban. Oui, c'est bon. Kanjo, es-tu là? Mais non, mais ça a bougé. Cette souris de merde qui me fait chier. Kanjo, es-tu là? Allô? Putain, j'ai déjà changé de clavier, mais cette souris, elle me fait chier. Vous imaginez même pas ce que je vis. Bon, attends, je repasse sur une scène normale, voilà. Quel boulet, non, mais c'est bon. Kanjo, es-tu là? Allô? Allô? Est-ce qu'il est là? Normalement, oui, hein. Il n'est plus là. Ah! Mais si, normalement, attends. Kanjo? OP user. You added. Normalement, c'est bon, hein. Ah, voilà! Non, mais c'est n'importe quoi. Ah, non, mais alors, Twitch, c'est n'importe quoi. Tout le monde balance sur Twitch. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, pourquoi cette webcam RAM? J'en sais rien. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce stream. Vous pouvez me retrouver sur les différents médias. Douyata pour mon compte principal, Léo Parleur pour mon podcast. Crevard 2.0 que je vous encourage vivement à suivre parce que je tweet beaucoup de plans dessus. Douyata pour ma PS4. Mon code ami, il va falloir que je fasse de la place sur ma 3DS, mais c'est promis, je vais le faire. Léoparleur.fr pour mon site internet, Léoparleur pour le podcast et Douystream dont je ne me sers absolument jamais sur Facebook, mais que je m'engage d'ici 2024 hors taxe à mettre à jour. Est-ce que c'est tout? Je pense. Du coup, je vais vous souhaiter un bon appétit, un bon dimanche, peut-être à tout à l'heure si Deviant est motivé pour streamer. Je ne sais pas ce qu'on va streamer, peut-être Isaac, puisqu'on me l'a demandé. Rebonjour, Barasama, salut à toi. Tu arrives en fin de stream, je suis désolé. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée. Et normalement, celle-là va. Je veux ton MySpace, j'en ai pas. MySpace, c'est déjà pas mal de réseaux sociaux. Hein. C'est déjà pas mal. Et quand on cumule tout, ça fait pas mal de gens. Quoi. Donc c'est cool. Voilà, voilà. Bon appétit à tous. Passez un bon dimanche et puis peut-être à tout à l'heure. Salut. Nous fait peur, je dis ça, je dis rien. Des gens mettent hashtag nos filles.